plaisir. Je vais moi aussi continuer en français, mais c'est avec un très grand plaisir et intérêt qu'en tant qu'inspectrice générale de l'éducation nationale en histoire-géographie, je participe à l'ouverture de cette séance plénière. Et cela pour trois raisons principales, rassurez-vous, je n'ai qu'une page de texte. Donc, cette simulation d'une Assemblée des Nations Unies constitue en effet une opportunité extraordinaire pour les lycéens que vous êtes de mieux comprendre le monde qui vous entoure et d'échanger vos analyses, vos points de vue. Et cette richesse des regards croisés sur une même réalité est une des caractéristiques des sections internationales dans lesquelles beaucoup d'entre vous sont inscrits. Vous avez ici une opportunité de confronter les connaissances et les démarches acquises au lycée, mais aussi dans les clubs de débat auxquels beaucoup d'entre vous êtes inscrits, et de confronter ces expériences aux enjeux du monde contemporain et de vous projeter dans ce qui sera peut-être votre avenir, pour au moins pour certains, à savoir l'engagement et les négociations internationales. C'est en tout cas ce vers quoi on peut vous encourager à poursuivre. Parce que, comme le disait M. Caron, nous sommes déjà d'une génération assez avancée, mais vous, l'avenir vous appartient. Et il vous appartient aussi de nous faire évoluer. À cela s'ajoute le fait, et c'est là mon deuxième point, que le thème de cette année est un thème particulièrement important, qui présente un intérêt non seulement parce qu'il relève de l'actualité avec la COP21, mais parce qu'il s'inscrit aussi dans un processus plus long, qui va de Kyoto au scénario à 5, 25, 75 ans. Et votre génération a pratiquement toujours entendu parler du changement climatique, du développement durable. Mais pour autant, les modes de vie n'ont pas encore changé. Et ce sont les actions de chacun qui font et qui feront évoluer les choses. Et en cela, les réflexions que vous pouvez mener sont importantes. Les lieux de rencontre, comme Unimoon, permettent de voir d'une part les intérêts des différents acteurs, à court et à moyen terme, mais ils permettent surtout de voir que ces intérêts ne sont pas nécessairement convergents. Et qu'il faut envisager les situations à différentes échelles, selon le principe de penser local, agir global. Penser global, pardon, agir local. Et on retrouve là aussi des éléments fondamentaux des programmes de géographie du lycée, qui visent à vous donner des clés de lecture d'un monde complexe, où les acteurs sont nombreux et avec des points de vue divergents. Il s'agit de comprendre et d'analyser, ce qui m'amène à mon dernier point. La situation d'une gestion de crise que constitue Unimoon est un laboratoire de la complexité, de la réalité et du jeu des acteurs qui s'y déroulent. En effet, on tend souvent à présenter les Nations Unies comme un tout, mais elles ne sont que la somme des parties. Il est souvent difficile d'atteindre un consensus en leur sein. En ce sens, la façon dont vous allez conduire les débats dans les différents comités est au moins aussi importante que les réponses que vous élaborerez. Cependant, il faut garder présent à l'esprit, d'une part, que les Nations Unies sont loin d'être le seul acteur, et d'autre part, que les enjeux associés au réchauffement climatique ne sont pas l'objet d'une convergence de l'ensemble des acteurs entre eux et en leur sein. Trois acteurs principaux se distinguent à l'échelle mondiale. Les États en sont les principaux, d'une part parce qu'ils décident aux Nations Unies, mais aussi parce qu'ils assurent la mise en œuvre opérationnelle. Or, ils ont des positions très différentes selon leur niveau de développement économique, et même leur situation géographique. Autre acteur qui a une importance croissante, les organisations non gouvernementales, qui jouent un rôle considérable dans la prise de conscience des enjeux comme dans l'action. Il existe des rivalités entre elles, et elles ne sont pas toujours bien acceptées par les États, mais elles peuvent être parfois plus puissantes que certains de ces États. Enfin, les sociétés civiles sont aujourd'hui peut-être la force la plus importante. Elles ont émergé avec Internet, avec le village global. Elles rassemblent des groupes de pression très divers, notamment économiques. Et développées ainsi, elles ont aujourd'hui un poids qui est capable d'influencer les États et donc les institutions et aussi les organisations non gouvernementales. Elles constituent, et vous faites partie de la société civile, une force de pression.